Omar Sy dézingué sur Twitter. Pourquoi l'acteur est dans la tourmente depuis quelques heures alors que le Sénégal vit en ce moment des moments difficiles à cause d'affrontements entre civils et forces de l'ordre qui ont fait plusieurs mois. Omar Sy n'a pas manqué de faire part de son soutien à son pays d'origine. Or, pour les internautes, cette prise de parole intervient beaucoup trop tardivement. Voilà déjà plusieurs jours qu'un climat de tension et de répression s'est installé au Sénégal. Des vagues de citoyens manifestent en effet pour réclamer la libération de l'opposant au gouvernement Ousmane Sonko. L'homme politique qui était arrivé troisième de la présidentielle de 2019 et pressenti comme un des principaux concurrents de celle de 2024 a été incarcéré pour viol. À tort selon les citoyens. Cette démêlée avec la justice serait selon de nombreux Sénégalais, une machination réalisée par l'actuel président Macky Sall, pour écarter son rival. Si des manifestations ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Dakar, elles ont malheureusement engendré des débordements et le pays recense désormais 4 morts liés à ces affrontements. Acteur Omar Sy, dont le père est sénégalais, a tenu à prendre la parole ce vendredi 5 mars 2021. Au peuple sénégalais, à sa jeunesse courageuse qui me sont chères, j'adresse mon soutien et mes sincères condoléances aux familles des victimes. Mes prières sont pour vous et le Sénégal. A-t-il écrit sur Twitter. Mais ce message n'a pas convaincu les internautes, qui s'étonnaient depuis plusieurs jours, de ne pas voir l'acteur prendre la parole sur le sujet. Nombreux ont été les internautes à accuser le comédien de ne pas s'intéresser au mal de sa propre terre d'origine. La raison pour laquelle on refuse d'accepter son message est qu'il a fallu qu'on bombarde les commentaires de haine et de colère envers lui pour qu'il daigne lever le petit doigt. Ça aurait dû être de son plein gré dans les normes, mais pas parce qu'il se sent obligé de le faire, à lancer une internaute agacée. Waouh, quel engagement! Soutien et condoléances aux familles. C'est vraiment le minimum. Sinon, un commentaire, une prise de position, un réel engagement. Non, ça non. Il était plus offensé. Ça ressemble à du voilà, ça c'est fait, passons à autre chose. C'est trop. A aussi écrit un autre. Heureusement, la star du film Intouchable a été défendue par plusieurs autres internautes. Depuis hier, vous l'insultez PSQ, il a pas tweeté sur la situation au Sénégal et MTN qu'il réagit, vous voulez qu'il supprime? Au bout d'un moment, devenez intelligent. C'est surtout que, à quel moment on exige quoi que ce soit d'autrui? Genre, il doit rien à personne à part le respect. C'est affligeant ces gens qui demandent des comptes aux célébrités pour telle ou telle réaction ou non-réaction. Au peuple sénégalais, à sa jeunesse courageuse qui me sont chères, j'adresse mon soutien et mes sincères condoléances aux familles des victimes. Mes prières sont pour vous et le Sénégal. Cœur, Omar Sy @omarsy, March 5, 2021, Aliénor de la Fontaine.